Bonjour les jeunes. Alors aujourd'hui on va se battre contre les clowns fantômes. Mais t'as l'air tout content de te battre contre les clowns fantômes. Ouais, moi je suis tout content. Mais j'adore les fantômes, c'est une obsession les fantômes. Et alors t'en as pas des obsessions toi? À propos de fantômes, faites bien attention à vous, parce que vous pourriez avoir des problèmes. Des problèmes de quoi? De fantômes, il adore ça les fantômes. Le problème c'est des histoires de filles ça. Ah oui, bien sûr des histoires de filles, et ben vous avez qu'un quart d'heure pour les régler. Hé, hey, attention celui-là. Oh là. Hé, hey, attendez s'il vous plaît. Attendez-moi. Oh, bah, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, oh, c'est pas vrai, j'ai bien failli avoir une attaque à cause de vous. Alors, vous aussi, les clowns, vous vous mettez à braquer les gens? Bon, alors qu'est-ce que vous voulez? Tenez, prenez tout. Est-ce que vous êtes drôle? Ah oui, très réussi le costume. Ah, non! Allez-vous-en! Au secours, lâchez-moi! Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. J'étais dans ma baignoire qui se vidait et je me noyais. Non mais vous voyez le tableau? Oh ben quoi? Vous pensez peut-être que je délire? En tout cas, t'as pas réussi à réveiller Eduardo. Je vais essayer autre chose. Mais ça va pas, pourquoi vous avez fait ça? Le pauvre chou, on a interrompu ses rêves de prince charmant. C'est un garçon qui a besoin de beaucoup de sommeil. Oui, comme nous. Tu sais que ces derniers temps, Eduardo m'a fait penser à quelqu'un qui est écrasé sous le poids du travail. Et tu trouves ça amusant ou t'as appris ça au scout? On en a par-dessus les oreilles. On ne peut même pas entendre sonner le téléphone tellement tu ronfles. Je viens de recevoir un appel. On y va. Le psychotensiomètre a détecté quelque chose qui avance. Non mais attendez, on n'est pas venu ici pour contempler un vêtement laissé par quelqu'un. J'avais d'abord pensé à appeler la police, mais quand j'ai vu ce type se dissoudre, alors j'ai préféré vous téléphoner. Vous avez bien fait, madame. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous vous souvenez, que vous avez vu ou entendu? En fait, juste avant que cet homme ne disparaisse, j'ai entendu comme un grand rire. Un grand rire? Malheureusement, je n'ai pas pu voir qui c'était parce qu'il faisait nuit. Mais j'ai aperçu de grandes chaussures. De grandes chaussures? Oui, énormes. Ah bah alors, c'est qu'il avait de grands pieds. Très drôle, c'est pas le moment de faire le clown, il faut se mettre au travail. Avec plaisir, mais quand je dis quelque chose, ça n'est pas forcément idiot. Alors je t'en prie, tu arrêtes. Non mais je rêve, tu dis n'importe quoi mon pauvre. Je sais ce que je dis. Allez, on y va, Gareth. Hey, hey, do-
Doucement, on se calme. Tu devrais faire attention, ta vue baisse. Ah bon, ça va. Regarde, son vêtement est là. Mais pourquoi ce type est mort? Et pourquoi il m'a épargné? Est-ce que j'ai eu de la chance? Il aurait très bien pu me tuer aussi. Peut-être que les filles ne l'intéressent pas, tout simplement. Non, quelque chose l'a conduit ici. Le rire, mais oui, le rire. Une seconde, je suis pas prêt. Allez, c'est le clou-clown à son pépère, ça vient par ici. Allez, allez-y, je crois que c'est bon. Laisse-le-moi. Non, pas question, il est à moi. Vas-y, ouvre le piège. C'est gagné. Remercie-moi si j'avais pas été là. Un ectoplasme pour un grand chasseur. Un ectoplasme pour un grand chasseur. Qui est le meilleur? Le grand chasseur devrait surtout être un peu plus modeste. On ne sait pas si ce clown était tout seul. Ouais, il est possible qu'un cirque se soit installé en ville. Pas de problème, s'il a des petits frères, on va s'en occuper, comptez sur moi. Chose est claire, on a affaire à une force démoniaque qui est irrésistiblement attirée par le rire. C'est ce que les victimes ont toutes comme point commun. Qu'on prenne l'homme dans la rue ou bien le type qui regardait la télé, tous les deux sont morts parce qu'ils riaient très fort. Arrête, je suis mort de rire. Tu te crois drôle peut-être? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le démon s'habille en clown. Je sais, s'il ne trouve personne en train de rire, il va essayer de le déclencher à tout prix. Et au besoin, il emploiera une marionnette pour le provoquer. Je passerai te chercher demain. Ouais, trop aimable. Mais figure-toi que j'ai pas envie de rentrer. Moi, ce que je veux, c'est attraper des clowns. La seule piste qu'on ait, ce sont les vêtements des victimes. On va les porter au professeur Egon pour qu'il les analyse. Bah, ouais. Tiens, le facteur m'a apporté un petit cadeau. Où est-ce qu'il est? Là, il est là.
Bon, alors, est-ce qu'on peut savoir calmement ce qui se passe ici? Eh ben, j'ai écrasé une espèce de jouet à ressort, un truc qui ressemblait à un clown. Mais c'est pas bien méchant, c'est qu'un jouet pour les tout-petits. Et c'est ça qui a fait peur à notre grand chasseur de fantômes. Eh, il me poursuivait, t'as pas vu? Eduardo, qu'est-ce que c'est que ces marques? On t'a mordu? Non, c'est rien, je suis tombé et je me suis écorché. Recevoir un appel téléphonique de la 23e rue. Des clowns sont signalés en ville. À nous de jouer. Feu à volonté. Maintenant, on va rire. Oh, non, je ne veux pas. C'est incroyable. Tu es coincé, espèce de rigolo. Alors, du nouveau? Mais non, il s'est échappé. Je ne comprends pas. Tu n'as pas réussi à l'attraper, toi, le roi des clowns, tu vieillis, mon pauvre petit. Il y a des moments où tu ferais bien de te taire, pauvre petit. Retenez-moi ou je vais faire un malheur. Ça suffit, tous les deux. Il faut d'urgence retrouver les clowns tueurs. Tu sais à quoi ils me font penser, ces clowns? À des vampires. Je crois qu'il y a de ça. Les vampires, eux, se nourrissent de sang. Et ceux-là se nourrissent du rire des autres. Je les ai repérés. Ils étaient là il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'on arrive trop tard. Coucou! Regardez ce que je sais faire! Tout à coup, il est devenu fou, ou quoi? Bon, le clown, on n'est pas là pour rigoler. Il leur faut des gens qui rient. Mais où est-ce qu'on peut en trouver, Kylie? Dis donc, tu connais la pointure de chaussure d'Eduardo? À vue de nez, un 40 fillettes. Regarde ses empreintes, c'est au moins du 60. Qu'est-ce qui se passe? Ils jonglent et ses traces de pas sont géantes. Fais-moi voir ton bras, Eduardo. Tu trouves qu'il y a quelque chose de bizarre, hein? T'as gagné! Allez, quoi, sortez-moi de là! Mais enfin, quoi, laissez-moi sortir! On peut parler, non? Ça alors, ces globules blancs sont différents des nôtres. À mon avis, il est en pleine mutation. Alors ça veut dire qu'il devient tueur comme eux? Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas absorbé comme les autres. Vous parliez de ressemblance avec les vampires. Je pense que vous avez raison, parce qu'ils sont connus pour se nourrir de leurs victimes. Ils peuvent aussi s'infiltrer en eux, les transformer pour qu'ils deviennent un des leurs. Pourquoi l'ont-ils choisi? Mais enfin, c'est évident, pour se venger, Eduardo a attrapé un des leurs, et c'est lui qui doit le remplacer. Oui, bon d'accord, mais alors comment faire pour qu'il redevienne ce qu'il était avant? Peut-être en capturant tous les autres clowns. Où est-ce qu'on peut les trouver? Il y a 400 théâtres qui donnent des spectacles comiques dans cette ville. Le gant révèle des traces de sable qu'on trouve à la mer, de la moutarde, des céréales et du pop-corn. Oh, ça me rappelle le parc d'attractions. En plein dans le mille. Allez, on y va. Je vais isoler les facteurs génétiques de son sang. Ils pourront nous servir de base pour mettre au point l'antidote qui va le sauver. Sortir d'ici. Je te donnerai plein de barbe à papa.
Slimer, non. Charmant endroit. Je trouve ce parc d'attractions lugubre. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Pour ma part, j'ai pas une folle envie de rester ici. Tu as raison, après cette visite nocturne, je ne suis plus sûr du tout de pouvoir rire. Sauf si je te dis que tu étais dans ta baignoire vide et que tu te noyais. Arrête! Tu vas tuer Roland! Eduardo! Eduardo, reviens ici tout de suite, reviens! Il faut que je te parle! Oh, arrête! Attends! Pas mal ma droite, mon petit bonhomme, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce grand farceur? Et de deux. Tu devrais être décoré pour ce que tu as fait. Bravo. Il faut que je fasse installer un airbag sur mon fauteuil. Regarde ce qui nous attend. Rien de bon à première vue. J'ai peur que tu aies raison cette fois. Il n'y a pas de doute, c'est plus notre Eduardo. C'est dur de l'admettre, mais on n'a pas le choix. On va être obligé de tirer sur lui. Désolé, Eduardo. Tu me faisais rire, mais j'ai pas le choix. J'ai l'impression que c'est lui, le chef. J'ai plus beaucoup d'espoir pour Eduardo. Moi non plus. Il faut dire aussi que c'est difficile d'être positif en ce moment. S'il ressemble aux autres, il ne nous fera pas de mal à une seule condition. Oui, il ne faut surtout pas qu'on se mette à rire. Très juste, mais ce truc-là me chatouille et je sens que je vais craquer. Et moi aussi. Tiens, tu n'as qu'à penser à des choses tristes. Pense à Eduardo, Kylie, non. C'est Roland. Hé, je suis là. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner mes vêtements? Oui, ça n'est pas drôle. Dis donc, comment se fait-il qu'Eduardo, le clown tueur, n'ait pas été absorbé par le piège à fantômes?
Parce qu'il ne rit jamais, tiens. Ah bon, bon, Roland, si tu veux bien t'habiller, on s'en va. Bon, j'arrive tout de suite. Hé, hey, les clowns, j'ai deux mots à vous dire en privé, alors montrez-vous. Tu ne crois pas que tu pourrais remettre ça une autre fois? Allez, range ton arme, grand chasseur. Maintenant que t'as fait un stage chez les clowns, tu vas peut-être me faire rire. Allez, viens.